Salut à tous, je suis Romain. Je suis embauché depuis 4 ans en tant que magasinier, cariste, chauffeur, livreur poids lourd. Je suis malentendant et je présente des troubles comportementaux. Avant d'arriver à Garbey, je suis arrivé d'abord à l'ESAT en novembre 2009, donc en tant que travailleur handicapé. Donc j'ai fait quelques prestations en extérieur et après, à partir de 2010, j'ai commencé à travailler sur le site en tant que agent d'entretien extérieur. Et à partir de décembre 2013, je suis embauché en CDI en tant que magasinier cariste et j'ai eu mon permis poids lourd en novembre 2014. J'ai intégré Garbey en mars 2013, 6 mois avant le recrutement de Romain dans l'équipe magasin. Romain est une personne reconnue RQTH niveau B et à ce titre et avec l'aide des ressources humaines, nous avons souhaité recruter Romain parmi nos équipes. Nous avons réussi à recruter Romain en mettant en place un tutoriel, un suivi personnalisé avec l'accompagnement d'un technicien magasin sur site afin de l'encadrer, le former et le faire évoluer tout au long de ces 4 dernières années. Romain aujourd'hui épanoui dans sa fonction, autonome, est un maillon fort aussi de l'équipe via sa polyvalence qu'il développe chaque année. J'ai connu Romain en 2010 et je l'ai côtoyé jusqu'en 2014 alors qu'il travaillait pour l'ESAT au sein de notre entreprise. Et lorsqu'il a rejoint notre équipe en 2013, j'ai été désigné comme son tuteur. À cette occasion, j'ai pu apprécier la rigueur de Romain, qui est quelqu'un de très posé et qui, dans ses formations, m'a toujours étonné. Il a été apprécié de tous au sein de l'équipe par justement sa rigueur et sa bonne humeur naturelle. Quand il a pris nos habitudes de travail et qu'on lui a fait confiance pour aller passer son permis poids lourd, on a tous été agréablement surpris de réaliser que même ça, il le faisait sérieusement. C'est-à-dire que lorsqu'il a eu les meilleurs résultats de sa promotion et que donc il est arrivé tout fier de ses résultats, agréablement surpris nous l'étions, mais en plus, lorsqu'on l'a vu à l'œuvre, on a vraiment compris que c'était justifié. On sent que c'est une victoire pour lui. Pour une personne que l'on nous a présentée comme étant en situation de handicap, on a affaire maintenant à un collègue à part entière qui tient sa place et qui assume tous les bons et les mauvais côtés du métier à bras le corps, comme nous essayons de le faire. Pour moi, je dis mission accomplie.